Loin, très loin, dans une partie magique du monde, il existe un endroit très particulier, la paisible ville de Warrnambool, où les petits manchots bleus, la plus petite espèce de manchot au monde, sont chez eux. Ils nichent sur une île rocailleuse, appelée Middle Island. Des années durant, les habitants de la ville empruntaient le chenal peu profond qui mène à l'île pour observer les milliers de petits manchots bleus rentrer chez eux à la nuit tombée. Parce que ces petits manchots apportaient une magie particulière à la ville. Mais une nuit, des renards ont découvert qu'eux aussi pouvaient marcher jusqu'à l'île. Et après quelques années à peine, il ne resta pratiquement plus aucun petit manchot. Et il n'y avait rien que les habitants de la ville puissent faire pour les sauver. C'est vraiment affreux. En particulier pour les manchots. Jack! Zoé! Combien de manchots reste-t-il? Je préfère laisser à Watt le soin de t'annoncer la nouvelle. Emily, attends-toi à ce que les chiffres ne soient pas terribles, ok? Bonjour, Emily. Désolée, mais... Combien, Monsieur Watt? 20. Comment? Quoi? Vous venez d'effectuer le comptage, vous en avez peut-être oublié. Zoé les a comptés à l'aube avant qu'ils ne partent pêcher. Ils sont 20. Quand je pense qu'il y en avait des milliers sur cette île, c'est honteux. Peut-être qu'ils restent ailleurs pour se protéger et qu'il faut juste éloigner les renards un moment. Comment? Avec un fusil tranquillisant? Pas très efficace, apparemment. Je vous signale que j'y arrivais très bien jusqu'à ce que les renards défient la nature et apprennent à nager. Votre évaluation annuelle a lieu dans 2 semaines. Et pour pouvoir garder le statut de réserve, il faut que 10 manchots au moins aient leur demeure ici. Et à ce rythme-là... Monsieur Watt, Paul, je vous en prie. Vous avez connu ma mère. Cette réserve est l'œuvre de sa vie. Je refuse de la voir disparaître. Peut-être que... C'est pour votre mère que je me bats depuis des années contre les autres conseillers. Je suis désolé, Emily. Si le conseil municipal dénombre moins de 10 manchots le mois prochain, ce lieu ne sera plus une réserve, mais seulement un rocher. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si rien ne change, nous serons bientôt tous au chômage. Avec la quasi-disparition des petits manchots bleus, c'était comme si la magie de Warrnambool était en train de disparaître, elle aussi. Le seul espoir de la ville reposait aujourd'hui sur... un éleveur de volailles et son chien, très singulier, même s'il ne le savait pas encore. Rien de tel qu'une bonne douche froide pour se revigorer et bien démarrer la journée, pas vrai, mesdames? Magnifique. Bonjour, messieurs. Hot ball! Petit déjeuner! Hot ball, où es-tu? Viens ici! Oh, sors de là! Combien de fois faut-il que je te le répète? Espèce de foufou! Ici, c'est ça ta nourriture! Qu'est-ce que t'attends? Une fourchette et un couteau? Allez, mange! Bon, d'accord. À ton tour de passer à la douche. T'es le seul berger de Marème de l'histoire incapable de se résoudre à garder et protéger la volaille. Tu peux m'expliquer ça?
Hein? Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te vendre plus offrant. Même si ça me rapporterait pas grand-chose. T'es un bon gars quand même. Toi, t'es toujours puni. Alors tu restes ici, ok? Je pars chercher Lévi. Et ne casse rien en mon absence. Ou si tu le fais, tu répares les dégâts pour que je m'en aperçoive pas. Oh, nouveau jour, nouvelle douzaine. Je croyais t'avoir dit reste ici. Hein? Si tu crois que je vais t'emmener en ville avec moi, tu rêves, mon grand. Oh. Oh, très bien. Allez, bouge-toi un peu, que je puisse m'asseoir. Allez, ben. Tu baisses la tête et tu bronches pas. J'ai mis 6 mois à payer tous les dégâts que t'as fait l'autre fois. Allez, ben, pousse-toi. Et c'est parti. Ah. Je suis sincèrement désolé pour les manchots, Olivia. Tu sais, je suis sûr que ta maman et son équipe font vraiment tout leur possible. Très astucieux. Mais tu sais quoi? Ça nous donne l'occasion de nous rapprocher, tous les deux. Pas vrai? Non? Peut-être pas. Et Olivia, il va falloir qu'on accélère un peu, là. Ton cartable est déjà prêt? Prêt et sur la table. Ah! Parfait. Et bien sûr qu'il est prêt. Bien sûr, parce que tu es mature, tu es une adulte, tu as quoi? Genre 30, 35, 36 ans? J'ai seulement 9 ans. Oui, je sais, je plaisantais. C'était de l'humour. Dis, je voulais attendre que ta maman revienne, mais il faut savoir profiter de l'instant présent. Ok, alors, c'est un cadeau pour toi, pour te remercier d'être une si bonne hôtesse. Tu veux avec croûte ou sans croûte? Moi, c'était toujours sans croûte. Je vais enlever les croûtes. Merci. Mais on m'a dit que tout le monde portait ça maintenant. Et qui t'a dit que j'ai envie d'être comme tout le monde? Oh, c'est vrai, ta maman m'a dit que tu étais du genre avant-gardiste. Non, non, pas ça. Hé, Emily. Oui, comment va? Non, tout va bien. Oui. Quoi? Non, pas du tout. On passe un merveilleux moment. Ne t'inquiète pas pour ça. Hein? Ok? Quoi? Ton père? Maintenant? Non, tu as dit qu'il n'était jamais à l'heure. Lévi, j'appelle Lévi. Serai devant la porte dans 10 secondes. Ok, compris, grand-père. Je sors, terminé. Faut que j'y aille. Il est ici, devant chez toi. Qu'est-ce que je fais? Voilà ma petite. Grand-père, Lévi. Fais-moi passer au-dessus. Et pas si vite, j'ai plus le dos assez solide pour ce genre de choses. Et puis t'es trop grande, tu me ferais tomber. Hein, parce que t'es devenue une véritable géante. Grand-père, t'es pas censé emmener au pôle en ville. Oh, psst, va-t'en, s'il te plaît, allez. Je crois, tu sais. Sors de là tout de suite. Si tu le fais pas, je viens moi-même te chercher par la peau du cou. Oh. Allez, file. Non, chut, de chut, sors de non, là. Non, pas la cravate. Qu'est-ce que tu as là, hein? Alors, montre-moi ce que tu as trouvé. Ah, d'accord. Tu veux d'abord jouer un peu, c'est ça? Ok. Donne-le-moi maintenant. Salut. Salut. Où étais-tu? Ça suffit maintenant. Bonjour, maman. Lâche ça. Allô. Je suis vraiment désolée. Notre premier matin ensemble, c'est déjà la pagaille. Pas de problème. J'adore ta pagaille. Sortons. Quoi? Comment sortons? Quoi? Là? Tout de suite? Oui, il va finir par entrer et tu seras pris au piège. Il suffit de marcher vite et de ne pas s'arrêter. Ok, papa, il faut qu'on y aille. Et vous aussi. Salut. Bradley Slater, je pense qu'on s'est déjà rencontrés. Papa, Odin devrait pas être là.
Il a déjà fait suffisamment de dégâts en ville la dernière fois. Ah, mais là, on n'est pas en ville. Et ton jardin est clôturé. Bon, tout le monde doit aller quelque part et a des choses à faire, je crois. Pour ma part, j'ai une répétition pour l'inauguration. Au revoir. Qu'est-ce qu'il fait chez toi? Oh, j'ai dû partir tôt ce matin et Bradley m'a filé un coup de main. Ça s'est bien passé? Oh, on est presque les meilleurs amis du monde. Oh, 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 génial, allez, viens. Hop, hop, dépêche-toi, grimpe dans le camion. Il t'a filé un coup de main, hein? C'est sérieux? Le nouvel agent de tourisme et toi? Écoute, ce gars me plaît. Et les histoires de mères célibataires ne le font pas fuir. Alors ne fiche pas tout en l'air. Pas de soucis. C'est pas mes oignons. Oh, démarre s'il te plaît, Betty. Allez, un petit effort. Tire la langue à gauche comme moi. Ça marche pas, essaye à droite. De nouveau à gauche. Non, essaie au milieu. Non. Tire la plus. Il fallait la tirer au milieu. On est parti, Oddball. Ce Bradley, qu'est-ce que t'en penses? Il a essayé de m'acheter avec des chaussures. Que Dieu nous vienne en aide. Bon, tu sais que je suis là. Si t'as besoin de quoi que ce soit... Oddball! Oh, dégoûtant! Oh, wow. Oh, quelle horreur! Ça fait pleurer un oignon! Sans peste! Vilain Oddball! Fais plus jamais ça! Salut, petit. Réouvrir le village maritime est la première étape de mon projet touristique. Nous avons des costumes et des acteurs et cette charmante baleine franche australe. Oh, les gars, ravi que vous soyez à l'heure. Ok, par ici. Venez. Ici. Mettez-le là. Ça, vous verrez, ce sera le clou du spectacle. Et ce sera bien. Il n'existe que deux de ces projecteurs dans le monde entier. Vous n'imaginez pas comme j'ai dû faire des pieds et des mains pour l'avoir. Donc, on allumera cette merveille et le film sera projeté sur l'écran formé par notre magnifique jet d'eau. La foule fera « Oh » et « Ah » et à ce moment précis, nous serons officiellement ouverts au public. Bonjour, passez une bonne journée. Bonjour. Te voilà arrivé. Et à l'heure, en plus. Non, Audi. On se revoit cet après-midi? Je viens te chercher. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore eu un manchot tué dans la réserve cette nuit. C'est pour ça que maman a dû partir si tôt ce matin. Ah, oh, je vois, ouais. Elle ne sait vraiment plus quoi faire. Ils ont déjà tout essayé. Je suis sûr que ta maman finira par trouver comment régler ce problème. Salut, Lévi, salut, ton ami, elle. À tout à l'heure après l'école, mon ange. À tout à l'heure. Audi! Oddball! Il refait une fugue! Vas-y, Oddball! Vite! Ferme la portière! Dépêche-toi! Vas-y, grand-père, démarre! Ceinture! Ne le quitte pas des yeux! Accroche-toi! Tu le vois? Il est là! Dès demain matin, tout le monde à Victoria ne parlera plus que de Warrnambool. Trop juste.
Non. Rattachez la baleine. Attrapez-la. Il peut l'enfermer, ce chien est dangereux. Tu devrais t'être en laisse. On se voit tout à l'heure à la mairie. Monsieur le juge, et si Oddball suivait un entraînement d'obéissance? Mademoiselle March, c'est la troisième fois que ce chien trouble l'ordre public. Et la population demande que nous mettions d'urgence un terme à cette situation, d'autant plus que, manifestement, il est dangereux. Oddball n'est pas du tout dangereux, il est simplement... curieux. Rien de plus. Votre honneur, si je peux me permettre, nos initiatives touristiques sont condamnées si ce chien ne reste pas en vie. C'est ce même chien, pourtant, qui vient de ruiner votre travail. Bien sûr, votre honneur, j'en suis bien conscient. Et c'est pourquoi je n'ai aucune envie qu'il le ruine à nouveau. Nous pouvons postposer la réouverture du village. Le problème n'est pas là, mais la presse est en ville. Et il n'existe aucun village baleinier au monde capable de résister au déferlement médiatique provoqué par l'histoire d'un ange au cœur brisé. Une petite fille qui aime son chien. Ce fidèle compagnon avec qui elle a grandi. Et votre honneur, puisqu'au final ce sera votre décision, je crains que, dans cette histoire, on vous attribue le rôle du méchant. Monsieur Slater fait là une remarque qui me semble pertinente. Oui, j'ai entendu, et il a raison. Dernière chance, Monsieur March. Oddball restera confiné dans votre ferme. Et s'il met ne serait-ce qu'un seul poil de museau à l'intérieur des limites de la ville, ce sera la fin des haricots. Suis-je assez clair? Ce sera terminé pour lui. D'accord. Affaire classée. Je dois avouer que ce clown de Bradley a quand même un sacré cran. Comment peux-tu être aussi arrogant vu la situation? On l'a échappé belle, je te signale. Je m'efforce juste de rester positif, Emily. Pourquoi est-ce que tu le prends si mal? Sois un peu honnête, nous avons déjà échappé à bien pire que ça. Je vais te dire ce qui me rend furieuse, c'est que tout ça ne serait pas arrivé si tu m'avais écouté ce matin. Allons déjà à la voiture. Allez, viens. Au revoir, mon ange. Au revoir, grand-père. Écoute, il n'y a presque plus de manchots. S'ils sont moins de 10 le mois prochain, le conseil fermera la réserve. Ces bureaucrates, à force d'avoir le nez dans la paperasse, ils ne s'agit plus d'eux aujourd'hui, papa. C'est la nature qui suit son cours. Plus de manchots veut dire plus de réserve et du coup plus de boulot. Et... pas sûr qu'ici il y ait autre chose pour moi. Et je dois penser à Olivia. Je vais me battre pour les manchots, mais je dois aussi penser à ce que nous ferons ensuite. Ça, je peux déjà te le dire. Je vais débouler là-dedans et dire à ces imbéciles que s'ils bougeaient un peu là... Papa, arrête, ça suffit. À moins que tu puisses faire revenir les manchots, arrête. T'en as fait bien plus qu'assez pour aujourd'hui. T'es pas un manchot, papa. Chérie, regarde la caméra que je puisse te voir. Allez, fais-moi un beau sourire. Oh. Et toi, Emily, est-ce que je vais avoir droit à un sourire de toi? Ouais, super. Si tu te lèves suffisamment tôt, tu peux les voir descendre la colline pour aller pêcher. Mais même si pour se nourrir, ils s'aventurent parfois à des centaines de kilomètres, ils n'oublient jamais où se trouve leur demeure. Parce qu'ils ont besoin les uns des autres pour rentrer tous les soirs se coucher en formant ce qu'on appelle la parade des manchots. Mais même si pour se nourrir, ils s'aventurent parfois à des centaines de kilomètres, ils n'oublient jamais où se trouve leur demeure.
parce qu'ils ont besoin les uns des autres. Qu'est-ce que tu fais ici en plein jour? Doucement, ne crains rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es bagarré avec un vilain renard. Ok. On va tâcher d'arranger ça. Alors, voyons ça. Qu'est-ce que tu as là? Red Bull, sors de là! J'ai un lutteur blessé à soigner. Laisse-nous tranquille. Voilà. Tu vas t'habituer à lui. Allons-y. J'ai soigné ce genre de choses sur des poules, et même sur des humains. Ça doit fonctionner aussi sur des manchots. Si t'es amoché, les filles ne s'approcheront pas de toi. Et tu ne pourras pas te trouver une compagne. Ce serait triste, hein? Alors faut absolument que tu te retapes. Alors, c'était pas si terrible que ça. Tu sais que t'es un joli petit gars. Allez, on va te sortir de l'infirmerie et t'emmener en salle de repos. Ouais, c'est bien. Laisse-toi faire, tu vas te reposer et dormir un peu. Qu'est-ce que c'est? Red Bull, rendors-toi, je vais voir ce que veut Missy. Qu'est-ce qui se passe, Missy? Qu'est-ce que t'as vu, ma belle? J'avoue que je suis bluffé. On ne peut pas employer Missy. De toute façon, elle doit rester ici pour veiller sur vous, les filles. Hein? Non, Karen, ça peut marcher. Et si on parvient à sauver les manchots, tout redeviendra comme avant. Odile en lui. Quelque part, je veux dire. Après tout, c'est un berger de marem. C'est ce qu'il est censé faire. Et puis les manchots, c'est rien de plus que de la volaille en smoking. Oui, je sais, Barbara, c'est risqué, il s'agit d'Odd Bull. Et si jamais ça rate, c'est terminé pour lui. Mais si ça fonctionne, et qu'Odd Bull peut récolter ne serait-ce que quelques bons points au passage, on ne traitera plus de chien fou, hein? J'ai pas raison? Eh oui, on est d'accord, hein? Merci pour la causette. Bon, tu as les yeux fermés? Oui. Ok, garde-les bien fermés. Oui. Ils le sont toujours? Oui. Ah, attends une seconde. Ne les ouvre pas encore. Ça y est? Non, pas encore. Et maintenant? Ok, tu peux les ouvrir maintenant. Oh! Reste ici. Tout va bien, tu peux t'approcher. Salut, petit gars. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ben, c'est à toi de me le dire. Pocket. Son nom, c'est Pocket. Eh bien, dans ce cas, sache que Pocket avait une aile blessée.
Mais il pourra très bientôt rentrer chez lui. Sauf qu'il n'aura bientôt plus de chez lui. Ah, c'est la deuxième partie de la surprise. Viens là, s'il te plaît. Comme nous le savons, Oddball n'est pas très efficace à la ferme. Mais j'ai découvert hier que s'il n'est pas doué pour s'occuper de la volaille, il a en revanche un réel don pour prendre soin des manchots. Grand-père, tu es génial! Oui, enfin, pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. Et c'est là que tu entres en piste. On va avoir besoin de ton aide. Avant d'emmener ce chien sur l'île, il faut qu'on imagine des tests pour être sûr qu'il pourra le faire. Tu ne penses pas que l'emmener sur l'île est plutôt risqué? Si, mais tu sais, on ne gagne jamais rien, on ne risque rien. Maintenant, écoute, n'en parle pas à ta maman. Elle a bien assez de soucis pour l'instant. Je savais qu'elle avait tort de penser que tu n'étais pas capable de l'aider. Bon, au boulot. Super. On a tellement de choses à faire que je nous ai préparé un plan. Tout d'abord, nous devons nous assurer qu'Audi sera sans pitié vis-à-vis de l'ennemi. Rendement, nous devons nous assurer qu'il sauvera un grand nombre de manchots. Rocaille, nous devons nous assurer qu'Audi, qui n'est qu'un chien en foyer, pourra s'adapter à ce terrain chaotique. Je résume. Renard, rendement, rocaille, ça me plaît. S'il passe les tests avec succès, on l'emmènera secrètement sur Middle Island. Ce qui veut dire trouver un moyen d'éloigner maman d'ici. C'est ce bâton dans ta main que je dois d'abord éloigner. Ça c'est encore au stade de développement de concept. De développement de quoi? Où est-ce que tu as entendu ce terme-là? C'est Bradley, il cause beaucoup. Si ça fonctionne, ce sera une surprise pour maman, le conseil municipal changera d'avis et Oddball deviendra un héros. Ses ancêtres ont été élevés par des Italiens pour garder des empereurs. Ah. Peut-être que cette musique d'opéra le mettra en condition. Oh, ah, oh, un renard. Ah, ah, attaque. Oui. Ah, non, non. Attrape-le. Allez, attrape-le. Un œuf de poule et là, un œuf de manchot. Tu regardes, c'est celui-là. Maintenant, retrouve l'œuf du manchot. Non, ça c'est un œuf de tennis. Là-bas. Celui-là. Allez, hop, grimpe-le. Stop, non, non. Arrête, Audi. Si ça sent l'urine de renard, il l'attaquera. Non, c'est bon, là. Moi, j'abandonne. Il le faisait si bien avec Pocket. En quoi c'est différent? Je sais, grand-père! Je sais ce qui est différent! C'est le manchot. Si c'est un vrai manchot, il comprend mieux ce qu'on attendait. Oui. Il parle de les mettre sur une autre île, parce que nous sommes descendus à 17 manchots, Jack. Mais c'est ici leur demeure, ils reviendront. Je sais, mais rien ne fonctionne, alors faisons peut-être un dernier effort. Zoé, il me faut plus de pièges à renards et de poison. On fera le comptage tous les matins et Jack, il faudra, je crois, que tu passes toutes tes nuits ici. Toutes mes... Ok. Ouais, je me débrouillerai, t'en fais pas. Merci. Oh, et ça va totalement changer les choses, pas vrai? Désolée, maman. Qui est en faveur de visites organisées d'élevage d'abeilles? Qui est contre? Contre. Motion rejetée. Désolée, Héloïse.
Peut-être si vous-même vous étiez piqué moins souvent. C'est bon, j'ai compris. Vous savez, je suis soumis à de fortes pressions pour faire bouger les choses ici. Mmh. Et depuis le cafouillage au village maritime, je pense que la population ne devrait pas être mêlée au projet touristique de la ville. Ils sont concernés parce qu'ils vivent ici. Parlez moins et écoutez. Le suivant, c'est Rich, de l'Association des observateurs de baleines. Bonjour à vous, membre du conseil. Je suis reparti. Cette ville possède un atout majeur qui, étonnamment, est inexploité. Chaque jour, les baleines franches australes viennent longer nos côtes, et ce, en pure perte. Je doute que les baleines ne voient de cette manière. Vous ne pouvez pas venir à toutes les séances pour dire chaque fois exactement la même chose. Ces charmantes créatures méritent un complexe dernier cri. Excusez-moi, mais je vous arrête tout de suite. La première piste que j'ai explorée en arrivant ici était justement la création d'un centre d'observation des baleines. Mais c'est impossible. Les meilleurs endroits pour ça sur la côte sont la propriété de fermiers qui refusent de vendre ou sont des sites classés protégés par le gouvernement. Oui, c'est effectivement le cas. Pour l'instant, mais... Et si bientôt, dans un futur très proche d'ailleurs, un endroit pour ce centre se libérer. Avec en plus une boutique de souvenirs qui pourrait rapporter gros. Ça suffit, monsieur le juge, passons au vote. Madame le maire, une minute, je vous prie. Vous avez trouvé un endroit où on pourrait réellement construire un tel centre? J'ai trouvé un lieu non protégé, ouais, et je peux... Vraiment? Je m'étonne de ne pas l'avoir trouvé moi-même, étant toujours à l'affût d'oubli de ce genre. Mesdames et messieurs, le village maritime va réouvrir, c'est certain. Mais ça c'est, croyez-moi... la prochaine étape logique dans le développement de l'image de cette ville. Vous voulez les dollars des touristes, hein? Vous voulez des emplois durables. Oui. Vous voulez une solution qui soit en accord avec votre image de ville de plein air. Ça vous va bien, monsieur Slater? L'OBW, l'Observatoire des baleines de Warnham Bowl. J'adore! Ça sent la fraîcheur et la moiteur du large, le présent. Rich, l'observateur de baleines, a tout compris. Oui, c'est vrai. Nous aurons le village pour montrer le passé et le nouveau centre d'observation pour montrer le futur. Qui est pour? Moi, je suis. Motion approuvée. Doucement, nous ignorons encore où se trouve cet endroit. Si, tout le monde le sait. Middle Island. Comment saviez-vous ça? C'est ce que j'ai dit, ces gars répètent la même chose à chaque réunion. Yes. L'étape décisive. Nous allons camper sur l'île avec Oddball et si tout se passe bien ensuite, il y restera seul. On le déposera le soir et on le récupérera le matin. Faudra que j'aie une petite discussion avec Jack avant ça. Faut qu'il sache qu'il ne doit surtout pas intervenir. Je crois savoir comment éloigner maman. Parfait. Tu ne cuisines jamais d'habitude. Tu es clairement amoureuse. Non, on ne peut pas annoncer l'observatoire de baleines tout de suite. J'ai besoin d'un peu de temps pour régler certaines choses. Oui, monsieur, je suis pleinement conscient de ce qui est en jeu. Non, ce n'est pas une volte-face. Non, monsieur. Non. Je ferai ce qu'il faut pour mener les choses à bien. Ok. Et on pourra l'annoncer lors de la réouverture du village. Ça vous convient? Oui. Allô? Hé. Hé. Hey. Une causette? J'ai mis les chaussures. J'ai vu, mais je n'ai rien osé dire. Elles sont vraiment très jolies. Oui, c'est vrai qu'elles sont chouettes. Merci. Ça me manque de ne plus voir aussi souvent Oddball. Hier, j'ai dit à maman que j'aimerais passer un ou deux jours chez grand-père pour le voir, mais après tout ce qui s'est passé, elle a dit non. Mais si tu l'emmenais quelque part en voyage ce week-end, il faudrait bien que je reste chez quelqu'un. Ok, le repas est prêt. Aïe, oula, elle va être déçue. Désolée. La prochaine fois, j'achèterai un plat tout préparé. Bon, allez, bonne nuit, ma belle. Raconte-moi l'histoire. S'il te plaît. Comme grand-mère la racontait. Eh bien, on les appelle parfois les manchots pygmées. Mais ils préfèrent nettement qu'on les appelle les petits manchots bleus. Ils sont prompts. Et agiles. Ils peuvent disparaître en moins d'une seconde. Et chaque fois que tu les regardes, ils exercent leur magie particulière sur toi pour te faire sourire. Si tu te lèves suffisamment tôt le matin, tu peux les voir descendre tous ensemble la colline en parade jusqu'à l'eau pour aller pêcher. Et même si pour se nourrir, ils s'aventurent parfois à des centaines de kilomètres, ils n'oublient jamais où se trouve leur demeure, parce qu'ils ont besoin les uns des autres. Oh,
C'est très gentil à vous de vous occuper d'Olivia. Ça nous va droit au cœur, vraiment. Oh, il n'y a pas de souci. C'est normal que vous vouliez passer un peu de temps ensemble tous les deux. Bien. Et tu écoutes grand-père, ok? Et toi, papa? Ouais. Tu écoutes Livy. Je t'aime, ma puce. Je t'aime, maman. Au revoir. Bon voyage. Au revoir. Passez un bon week-end. Au revoir. Faut rester combien de temps à leur faire signe, tu penses? Je te dirai. T'as préféré le sac? Ouais, bien sûr. Tout est fin prêt. Cool. Tu crois que ça suffit? Oui, ça devrait. Bonsoir, Jack. Swampy? Qu'est-ce que vous faites sur l'île? Tu vas assister à des choses un peu bizarres cette nuit que j'ai besoin que tu ne remarques pas. Que je remarque pas quoi? C'est ça, exactement. Une seconde, et Emily? On est descendu à 15 manchots cette semaine. Ouais, je suis au courant et c'est pour elle que je fais ce que je fais. Je suis là que pour capturer les renards. Bingo! Bonne réponse, mon cher Jack. Bonne réponse. Grimpe, Livy. Hop. Allons-y. Prochain arrêt, Middle Island. Et viens, ma chérie. Faut pas qu'on traîne. Plus qu'une semaine avant le comptage du conseil. On dit à hâte de s'y mettre, on dirait. Donne-moi la main. Ok. Tu ressembles à un berger de Marème. Tu aboies aussi comme un berger de Marème. Je veux maintenant que tu me montres que quelque part, malgré ton comportement excentrique habituel, tu es bel et bien un berger de Marème. Tu vas sauver les manchots, ok? Allons-y. En fait, vaut mieux que ce soit toi qui le fasse. Ils ne mettront pas une enfant en prison. On ne gagne jamais rien si on risque rien. Exact. Ça va? Oui. Hey, c'est ça, Audi. Habitue-toi à l'odeur des manchots. Ah. T'inquiète pas, petit. Tes amis seront bientôt là. Oh, ça y est, ils arrivent, Livy. Regarde. Wow. Oh, oh. Ah. Allez, va, Pocket. Rejoins tes copains. Et maintenant, voyons ce que tu as en toi, Audi. Grand-mère est fière de nous. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, quand il fait venteux, c'est qu'elle nous souffle des baisers. Et quand le soleil brille et scintille sur l'eau de la mer, c'est qu'elle rit. Et la nuit là-haut, elle est dans chacune des étoiles du ciel, et elle veille sur nous. Qui t'a dit ça? Maman, c'est ce qu'elle me dit tout le temps. On peut voir la moitié du monde d'ici. On croirait entendre une paysanne. Je suis désolée. Non, il n'y a pas de raison.
Si tu veux voir l'autre moitié du monde, on pourrait éventuellement commencer par New York. Oui, éventuellement. 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 Oui, éventuellement. Je vais prendre ça pour un oui. Oh, Odie, non. Non, attends. Laisse-moi dormir. C'est beau, grand-père. Il faut qu'on ait quitté l'île avant que Zoé n'arrive. Oui, t'as raison, mais laisse-moi encore quelques minutes. Tu réalises que si Odie réussit la même chose en solo cette nuit, on deviendra les héros de Warnam Bowl. Mais pas un mot à ta mère. Hein? Promis, juré. Hello! Salut, maman! Tu m'as manqué, mon ange. J'espère que vous n'avez pas fait de bêtises, tous les deux. Grand-père et moi? Non, bien sûr que non. Comment c'était, ce voyage? Oh, génial. Ça m'a donné envie de découvrir le monde. Oh, ça, c'est pour toi. C'est pour te faire des souvenirs. Tu peux prendre des photos avec ça, mais aussi filmer. Cool, merci. Oh, tu m'as manqué aussi, ma grosse boule de poils. C'est avec ce bouton-là. Merci de t'être occupée d'Olivia. J'espère que c'était pas trop te demander. Et ça, c'est le flash? Ouais, tu tournes le bouton pour que le trait soit vers le haut. Faudra que j'apprenne à m'en servir, mais en tout cas, c'est vraiment cool. Merci. J'en fais jamais assez à ton goût, de toute façon. Bonsoir, Pocket. Vas-y, mon gars. Oh, 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 attends. Qu'est-ce qui se passe là? Eh, on dirait qu'elle s'intéresse à toi. Normal, tu as belle allure. Ton aile va mieux. Oh, elle vient vers toi, regarde. Et approche-toi. Dis-lui quelque chose. Tu portes déjà le smoking. Invite-la à danser. Oups. Oh, donc t'es pas un danseur. Tu peux chanter? Ouais, tu te débrouilles pas mal. Ils ont l'air de bien s'entendre. Faut juste qu'ils n'en fassent pas trop. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu l'invites à rentrer. Ah, j'aime mieux ça. Bingo! Et voilà le travail. Et maintenant, je vais te laisser avec eux, ok? À demain. Oh, mais non, reste. Reste ici. Assis. Je vais revenir. Tout se passera bien. Non, non, non. Toi, tu restes et tu attends ici. T'as un boulot maintenant. Reste ici, c'est bien. Bouge pas. Oh, oh non. Oh, oh. Ça va? Je vais bien, reste où tu es. Oh. 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 Ok, Betty. Allons dormir un peu. Thank you.
Pas de bol, où es-tu, mon grand? On dirait bien que c'est raté, pas vrai? Tu t'es battu avec un renard, Audi? Alors là, j'avoue que tu m'épates. Je crois que c'est bon, t'es opérationnel. À la prochaine, Jack. Bonne journée à vous, Swampy. Ok, je suis prête. Où en sommes-nous? Dis, Emily, quand t'as rencontré Bradley, comment t'as su que c'était le bon? Toujours 15? On n'en a perdu aucun? Non. Mais je ne me réjouirai pas trop vite. Il y a peut-être un couple de nomades dans le... Wow! Génial! Puisqu'il n'y a pas deux, c'est sans doute le cas. Super. Ravie de cette discussion. Aucun disparu, ils sont toujours 15! Ok, ça tue. Bon, d'abord, danse du tableau de bord. Ouais. Au revoir. Tu sais, on devrait faire ça plus souvent. Je sais que Bradley était un peu souvent là ces derniers temps. Vous commencez à vous apprécier tous les deux, non? Ça va, il est pas si nul, finalement. Donc, plus d'attaques de renards depuis plusieurs nuits? Non. Mais... ne te fais pas trop d'espoir. Ce n'est peut-être qu'un coup de chance. C'est pas un coup de chance. Tout va s'arranger, tu vas voir. Peut-être, mais... on doit envisager la possibilité qu'il ferme la réserve. Toutes les options doivent rester ouvertes. Faut pas que tu laisses tomber. Bientôt, ils vont se reproduire. Je suis pas en train de laisser tomber. Je veux simplement ne rien exclure. Écoute, mon ange. Si Bradley mène à bien ses projets touristiques dans notre ville, sa compagnie lui offrira peut-être d'autres opportunités qui pourraient être des opportunités pour nous aussi. Mais tu ne veux pas dire... partir vivre ailleurs? C'est une possibilité. Mais tu oublies les manchots, Audi, et grand-père. Tu devrais parfois me faire confiance et accepter que je puisse savoir des choses que tu ignores. Peut-être que moi aussi je sais des choses que toi tu ignores. Du genre? Genre quoi? Livy, dis-moi. Oddball protège les manchots sur l'île? Il y est, là, maintenant. Désolée. Ouais. Montre-moi. Tu réalises que si qui que ce soit la prend, Oddball est cuit. Je veux dire, tu as échappé de peu à la sanction du juge l'autre jour. Ouais, je sais. Et qu'il est possible qu'au final tout ça soit vain? What? Pourquoi maintenant, papa? Eh ben, parce que ces petits gars étaient en difficulté et avaient besoin d'un coup de main. Et c'est tout? Ben, ouais. En plus, le fait que quand ta famille a des soucis... c'est... enfin, je crois... normal de vouloir essayer de l'aider. Ok. Je veux pas d'échauffourée avec les gens du gouvernement, c'est clair? Laisse-moi m'en occuper. Mais... en premier lieu, nous allons avoir besoin de l'aide de Bradley. Bradley? Non, 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 on peut très bien se passer de ce clown. Ce type-là, je lui confierai même pas papa, de sens. Arrête! Écoute-moi bien! Quoi? Elle est d'accord. Avec quoi? Avec nous?
Elle est d'accord. Bonne nouvelle. Enfin non, génial. Papa. Oui, quoi? À ma manière. Oui, oui, bien sûr. Entendu. À ta manière. Bon. Hein? Oddball sur Middle Island? J'ai du mal à y croire, Emily. Je sais, c'est tout bonnement incroyable. Il n'empêche que ça fonctionne. Le nombre de manchots s'est enfin stabilisé, juste avant qu'ils se reproduisent. Il faut juste qu'Oddball continue à faire ce qu'il fait et... Waouh. Pour ça, je me suis dit que peut-être... Si un certain expert en tourisme pouvait nous aider à faire fléchir le juge... Emily? Salut. Oh, Jack. Salut. Jack. Jack? Désolé, j'ai trouvé personne ce soir pour me remplacer, mais dès que j'ai fini ici, je retourne me mettre en planque sur l'île. Ok, parfait. C'est fou ce que tu as l'air différente. Jack. Salut. Bradley Slater. Apportez-nous une bouteille de Shiraz, je vous prie. Ok. Ouais. Wow, c'était un peu cavalier. Je suis désolé, en fait, j'ai quelque chose à te dire. Ok. Je sais ce que ces manchots représentent pour toi. Mais le conseil municipal soutient le projet de centre d'observation de baleines de Reach sur Middle Island. Quand tout le monde a réalisé que l'île allait bientôt devenir totalement inhabitée... Pardon, tu n'as pas pensé à m'en parler durant tout ce temps? J'ai voulu attendre que la décision soit définitive. Définitive? Définitive? Bon, ça suffit. J'en ai assez entendu. Grand-père, non! Je savais qu'on pouvait pas lui Stop, faire confiance. Tu peux pas débouler comme ça dans le restaurant, non! Ça fait déjà un moment que la réserve est menacée. Au moins, ce projet permettra de la remplacer de manière honorable. Et nous pourrons penser à notre futur. Arrêtez ça tout de suite! C'est quoi cette histoire d'observatoire de baleines sur Middle Island? Attends, comment... Monsieur March, il y a... Écoutez-moi, espèce de clown. Middle Island est la demeure de ces petits manchots et ils n'iront nulle part ailleurs. C'est quoi? Je peux savoir? Un toki-woki. Il se fiche complètement des manchots. Il cherche juste à construire son propre nid et à mettre Olivier et toi dedans. Et ça vaut pour vous deux. On prendra un taxi. Viens, allons-y. Si vous aviez le moindre sentiment pour Je elle... tiens énormément à Emily, monsieur March, sachez-le. Alors aidez-nous à prouver qu'Oddball est fiable. Et si on prouve qu'Oddball est effectivement fiable... Jack. Alors le projet de centre d'observation des baleines disparaît et je perds mon job. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pardon. Est-ce que Oddball est une solution vraiment efficace? Autant qu'un marteau pour enfoncer un clou. Emily est venue me voir pour me parler d'Oddball. Les gens attendent du conseil municipal quelque chose de spécial qui amène du boulot et de l'argent, d'où les baleines. Ça signifiera peut-être la fin de ma carrière de mère, mais les petits manchots ont toujours eu une grande place dans mon cœur. S'il y a une chose que le juge Burns aime plus que son vélo, c'est la loi. Si je lui fais remarquer à quel point le projet d'observatoire des baleines est exposé à la critique, du fait qu'il a été approuvé avant même que l'endroit ne soit officiellement disponible, il emmènera lui-même Oddball sur l'île avec toute la diligence requise. Ah. Vous êtes une maligne, vous, dites donc. Oh, si je suis mère, c'est pas pour rien. On va laisser Oddball sur l'île. Mais je vous préviens, quand ils verront que leur projet est mis en attente, notre cote de popularité sera au plus bas pour un moment. Ah, ça c'est mon avantage stratégique. Personne ne m'apprécie de toute façon. Ce n'est pas mon cas.
C'est un grave revirement. Une vraie catastrophe. Non, jetez pas la faute sur moi. Je vous rappelle que c'est vous qui m'avez convaincu de laisser ce fichu clébard tranquille. Mon patron croit que je change d'avis comme de chemise. Parce que c'est les manchots, ensuite les baleines, et quand c'est les baleines, ça redevient les manchots. De vous à moi, monsieur le juge, je n'ai eu aucun projet qui fonctionne depuis des années. Du coup, j'aurais bien besoin que celui-là marche. Désolé, mais c'est pas mon problème. Fin de l'entretien. Ok. Je hais ce chien. Paul ? Lévi. Lévi ? Si tu es en dessous de 10 et on retrouve pas Oddball. On va retrouver Odie. Ça ne doit pas t'inquiéter. Et on pourra toujours sauver la situation. Trop tard, ça n'a plus aucune importance. On déménage à New York. Mon ange, va aider Jack et Zoé, d'accord? Alors vous partez vivre ailleurs. Pourquoi je devrais rester coincée ici? Parce que notre solution fonctionne. Tu sais très bien qu'Oddball ne serait jamais parti comme ça, je ne sais où. Stop! J'espère qu'Oddball n'a rien, mais en ce qui concerne la réserve, c'est fichu. Quoi? Alors c'est tout? Tu veux juste laisser tomber? Comment oses-tu? Tu es conscient de tout ce à quoi j'ai renoncé quand maman est morte? Bien sûr, oui. Mais je ne t'ai jamais demandé de le faire. Non, tu t'es enfermé avec ta volaille, laissant l'œuvre de sa vie se faire emporter par le vent. Emily, je n'ai pas seulement perdu ma femme, mais ma meilleure amie. Oh, exact. Mais j'ai perdu ma mère, moi. Mais j'avais conscience que la meilleure chose à faire était de poursuivre son travail. C'était ma décision. Oui, je ne l'ai jamais regrettée, mais ça fait maintenant 11 ans et... Papa, il n'y a plus de manchot. Tu sais, j'aimais m'amuser. J'aimais beaucoup m'amuser. J'ai renoncé à l'université et au voyage dans le monde, mais je ferai tout pour qu'Olivia puisse vivre ça.
Salut, mon amour. Ça fait un fameux bail que je t'ai pas parlé. Je voudrais juste que tu saches que... En fait, j'ai vraiment besoin de toi aujourd'hui. Je suis désolé. Quand t'es parti, j'aurais dû... prendre soin de tout ce que tu as construit ici. Et de notre famille. Tu sais, tu me manquais éperdument. Ok. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Une fléchette tranquillisante. Faut que j'aille en parler à Jack. Pocket, je reviens plus tard. Tu sais, mon amour, t'as toujours été là pour moi. Eh bien, c'est mon tour maintenant. Salut, mon grand. Où étais-tu? Je l'ai trouvé dans le fossé, en contrebas de la route de Baringa. Qu'est-ce que tu faisais là-bas, Audi? Combien pour l'amende? Non, ordre du juge. C'est fini pour lui. D'ailleurs, je vous donne ceci. Ça me fera économiser les timbres. Non, attendez. Ma petite fille aime tellement ce chien. Hé, ne faites pas de moi le méchant, ok? Je ne fais que mon travail. Je suis pas du tout fêlé. Je suis pas un moins que rien. Vous allez me rendre mon chien. Oh. Je vous laisse ensemble une minute. Je suis désolé, mon grand. J'aurais jamais imaginé que tu finirais là-dedans. Désolé, mon grand. Qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète pas, mon gars. Je vais te sortir de là, ok? Le temps est écoulé! Repose-toi bien, Audi. Ça te sera utile. Hello, Swampy. Je viens de trouver ça sur l'île, et une blessure correspondante sur l'épaule d'Audi. C'est une des miennes. C'est bien pour ça que je suis là. Vous croyez quoi, franchement? Je récupère toujours mes fléchettes. Emily apprécie que je ne fasse pas de dépenses inutiles. Oh, non, 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 non. Une, deux, trois, quatre, cinq... Il me manque un fusil et deux cages. Le fusil, je peux comprendre, mais pourquoi les cages? Pour les baleines.
donner à ce clown un vrai nez rouge. Non, attendez, attendez. Quoi? C'est pas forcément une bonne idée de faire irruption et d'accuser son petit ami d'être un assassin de manchots. Ah, tu crois? Oui. Soyez subtil. Subtil? Axé sur le positif. Le positif? Oui. Bonne nouvelle, j'ai retrouvé Oddball. Je peux le dire à Livy? Je suppose. Est-ce que Bradley est là? Non, mais... Attends, quoi? Papa, non! Je peux savoir ce qui se passe? Oh, je vais te dire ce qui se passe. J'ai trouvé une fléchette usagée sur l'île. Oddy a une blessure de fléchette sur l'épaule et quelqu'un a volé un fusil à fléchette dans la réserve de Jack. La preuve? Regarde ça. Et donc? Vous soupçonnez qui? À ton avis, Emily, qui a le plus à gagner dans la disparition des manchots? Qui a bondi sur l'idée d'un observatoire de baleines sur Middle Island? Et qui est au courant que le comptage final des manchots a lieu demain? Il est très bien, ce gars-là. Merci. Et je peux savoir ce que vous attendez de moi? Enfin, Bradley n'aura jamais... Oh, Emily, qui? On l'ignore. Mais quelqu'un s'en est pris délibérément à Oddball et aux manchots, et cette personne va revenir cette nuit finir le travail. Emily. Écoute. Je suis désolé de t'avoir déçu dans le passé. Mais je veux que tu saches que je compte bien me racheter. Donne-moi une chance d'essayer d'arranger les choses. Est-ce qu'Oddball va bien? Ouais, il va bien, mon ange. Avec Jack, on le ramènera bientôt sur l'île. Et en plus, on devrait tous se réjouir. Aujourd'hui, sur l'île, j'ai vu un petit gars appelé Pocket. Avec sa charmante petite copine. En pleine journée? Mais ça veut dire des œufs. Des œufs? Il se peut qu'il y en ait. Au fait, dans le comptage, les œufs comptent pour des manchots? Ouais. Ok. C'est quoi le plan? Regarde, une fenêtre ouverte. Avance. Ah, c'est bloqué. Grand-père. Quoi? Tu ne pourras jamais entrer par là. Tu dois me faire passer à l'intérieur. Non, 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 pas question que je te laisse entrer là-dedans toute seule. Je t'ouvrirai la porte dès que je serai à l'intérieur. Tout ira bien. Non, je peux pas. Tout ira bien, je te dis. Ok. Ok. Raide comme un piquet. Ouais. Les bras en avant. Honnêtement, Livy, ce que je fais là, c'est pas ce dont je suis le plus fier en tant que grand-père. Doucement. Livy, sois prudente. Je le serai. À tout de suite. Je suis pas convaincu que tout ça finira bien. Tiens. Non, 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 je peux pas, je veux pas te toucher. C'est que des fléchettes. Je veux juste que tu saches que j'apprécie beaucoup ce que tu fais là. Tant mieux. Oh mon Dieu! Je suis désolée, j'ai pas fait exprès, ça va? Oui, ça va, pas de soucis. C'est pas une forte dose, juste de quoi engourdir un petit animal. Jack! Jack, tout va bien? T'es une éternelle angoissée, tu le sais ça? Oh, non, 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 non. Est-ce qu'on vole là? Jack, écoute-moi! On n'a qu'à voler jusqu'à l'île. Jack! Livy! Je vais aller en enfer pour ça. Un petit effort! Hey, je sais quelque chose que toi tu sais pas. Allez, Jack, il faut que tu m'aides. Je sais quelque chose, moi, que toi tu sais même pas. Tu es très jolie! Waouh! Rentre tes jambes à l'intérieur. Ok. Oh!
s'en va. Génial. Il a permis qu'on se retrouve là. Toi et moi. Non, non, oh, non. Oh, les belles lumières. Boogie, 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 dansons le boogie. Jack, il va falloir que tu te tiennes tranquille. Jack, Jack! Non, toi... Non, non, toi, tu dois taire. Non. C'est pas cool. Oh, ça va. C'est juste gauche. Mets tes jambes correctement, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais dans mes jambes? Enfin... Oh, Emily, c'est trop chouette. Dans mes bras. Stop. Arrête. Salut. Bonsoir, Emily. Salut, mec. Sur mon radar, vous étiez du mauvais côté de la limite de vitesse. Vous devriez descendre du véhicule. Effectivement, je devrais. Là-bas, et la marée monte. Ça sert à rien d'attendre, ça la fera pas redescendre. Pasquale. Oh, Jack, ça va? Ouais, ça a jamais été. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il a? Elle m'a tiré dessus avec un fusil tranquille. Elle m'a tiré dessus avec un fusil. J'ai pas fait exprès. Oh, il a sûrement moins mal, du coup. Hé, hey, regarde. Papa, c'était un accident. Non, laissez tomber un œuf, c'est un accident. Ça, c'est excessif. Regardez, je vous dis. Quoi? Là! Lévi! Lévi! Attends, Lévi! Lévi, reste-tu? Attends, Lévi! Ne bouge plus! Attends-nous! Allez! Stop! Lévi! Reste-tu? Descendez du toit de ce véhicule! Non! Vous descendez du toit du descendez véhicule! Descendez de là immédiatement! Vous descendez de là! Vous avez tous perdu la boule ou quoi? Quelqu'un essaie de tuer tous les manchots! Lévi! Sois gentil, arrête-toi! Braquez les phares sur eux et reprenez-vous, Jack! Ralentis au moins! Attends-nous, s'il te plaît! Et j'ai un homme juché sur le toit de son véhicule et sous influence. Joli postérieur, monsieur l'agent. Demande du renfort. Dépêchez-vous! On arrive! Bradley, arrête! Stop! Audi, laisse-le! Audi. Restez où vous êtes! Zoé? Reculez! J'ai votre précieuse œuvre de manchot! L'inespéré numéro 10! Zoé, vrai? Attends! S'il te plaît! Calme-toi! Rien ne t'oblige à aggraver ton cas! On peut toujours... Oh, vous, fermez-la! C'est votre faute si je suis obligée de faire ça, je vous signale! Quoi? Zoé, on en avait fini avec ces manchots ennuyeux! Et on allait enfin... Non! Pouvoir déboucher le champagne et observer les baleines! Non. Zoé, non. Emily. Non. Attends, Lévi, non. Tu saisis toujours pas, Emily.
Ça ne m'étonne pas. Ça fait combien de temps que tu me connais? Et t'es même pas au courant que Rich est mon petit ami? Rich, l'observateur de baleines? Et quoi, où est le mal? Disons que vous formez un couple plutôt insolite. Zoé, je t'en prie, peux-tu juste poser cet œuf sur le sol? Ok, je le fais. Libby, viens ici! Bouge pas! Va-t'en! Lâche-moi! Libby, reviens! Lâche-moi! Libby, non! 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 Lâchez-moi! Non! Non! Emily! Non! Emily! Non! 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 Bonne chance pour le récupérer! Libby! Du calme, allez, lâchez-moi. Les mains dans le dos! Vous me faites mal! Calmez-vous! De toute façon, cet œuf est foutu, c'est chut, terminé! Hé, hey, une seconde! Où est Oddball? Oddy? Non, Oddball! Doucement! Sois prudent. Lentement et sûrement, Audi. Non. Ça va, il a rien. Oui, ça va, il s'en sort bien. Vas-y. C'est bien, Audi. Vas-y doucement, te presse pas. C'est bien, Oddball. T'es un bon chien. C'est bien. Ouais, super, Audi. Ne le mange pas, hein. Oh. Délicatement. Parfait, lentement et sûrement. Prends bien ton temps. Fais doucement. Il a réussi. C'est le meilleur Oddball. Reviens. Oh, oh, attention, retiens-le. Tu peux encore le récupérer. Reste cool. Lentement et sûrement. Sois prudent, Audi. Prends ton temps. Bravo. Parfait. T'es un bon gars. Viens, remonte. Ah, faites-lui de la place. Viens. Viens, Oddball. Oui, sois prudent. Doucement. Bien. Très doucement. Bien. Viens ici. Attention. Lâche-le, mon grand. Oui. Oh. Oh, bravo, Terry. Bravo, Audi. Vous croyez vraiment que ce seul œuf va changer? Jack, c'est vrai que ces trucs, ça part tout seul. Salut les amoureux. Délicatement. Voilà votre petit. Merci, mon amour. Attention à la tête en entrant dans le véhicule. Ok. Je vous interdis de lécher la vitre, c'est dégoûtant. Je vous ordonne d'arrêter. Non. Salut. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je suis juste trempée, transit froid, mais ça va. Écoute, Bradley, à propos de New York, je peux pas. C'est ici, chez moi. J'avoue que je m'y attendais. Ah oui? Oui. Cet endroit te correspond bien, mais pas à moi. J'ai décidé de quitter mon job. Ma ville natale me manque. J'aimerais y retourner. Soin des petits manchots. J'en ai bien l'intention. Ouais, mon grand.
bon chien. J'ai ici le comptage officiel de Manchot. La population officielle des petits manchots bleus sur Middle Island est de 9 manchots. Oui, plus un œuf. Exact, plus un œuf. Ce type est génial. 10. La réserve ne sera donc pas fermée. On a réussi. Bien joué. J'aimerais juste aller... Oui, je m'en doute. Je reviens. Woody, viens là. Je te félicite. T'as fait du beau travail. Bravo. Bravo, mon grand. Hé, Woody. Tu as réussi. Je suis fière de toi. Non. C'est notre réussite à tous. C'est ce dont moi je suis fier. Oh hey. Qu'est-ce que tu fais, Woody? Viens là, mon grand. Viens, viens chez moi. Ouais, c'est bien. Grimpe. Ouais. T'es un bon gars, hein? Thank you.